évidemment. L'objectif premier, c'est de piller sur les Champs-Élysées. C'est l'objectif qu'ils vont essayer d'atteindre. Aujourd'hui, mais ils ont tous la même ambition. Alors, Marcel Kittel est le vainqueur sortant. C'est lui qui s'est déplacé lors de l'étape il y a un an. Sera-t-il le vainqueur aujourd'hui? Tout ça semble un petit peu plus élevé. Peut-être a-t-il volontairement donc couper donc ses efforts pour mettre justement le rendez-vous donc de l'étape du jour, de l'étape des Champs-Élysées. Voilà pour l'instant donc nous revenons toujours 21 km de l'arrivée maintenant. Un peloton avec un Peter Sagan qui commence à apparaître en première ligne du côté de Radio Tour du Golfe. Rien à signaler, c'est une bonne.